Mais nous songez qui ça ministre a fait dans le pays. Qui douleur ministre a quitté dans le cœur chaque famille haïtienne aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous là, on a parlé de choléra, c'est parce que c'est le ministre qui est venu avec le choléra, madame, monsieur. Et puis, c'est qu'après, de 2017 à 2022, pour nous faire débat sur une force militaire encore dans le pays, non. Non. Ça va un débat sur lui. Nous ne devons pas tourner dans son corps et nous devons dire nous-mêmes haïtiens, jamais plus jamais, nous ne devons pas tourner dans la question de force militaire encore dans le pays. Sous quelque soit femme que qui soit force spéciale, qui se, nous clair sur ça. Haïtien pas doit tourner dans ça encore. Nous t'es fini pour le ministre, assez, sans être assez. Nous ne devons pas tourner dans ça encore, madame, monsieur. Et je dis à moi que des gens qui ont pris les munitions des apatrides. Ariel Henry, c'est des son apatride. Mais, je ne vais pas nous mentir. Effectivement, donc, la décision des ministres, en conseil des ministres, pour aujourd'hui, a mandé Nations Unies avec les États-Unis, voyer militaires dans le pays, ok? Ils sont démarches anti-patriotes, anti-nationalistes. Bah d'accord. Ça ne faut pas d'accord. Bah d'accord. Je ne suis pas d'accord avec Esaü. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ils sont des marches antinationalistes. Et je vais vous dire pourquoi. Ils sont tout simplement irresponsables. Ah oui. De la part des ministres, également du premier ministre. Pour aujourd'hui, juste pour garder le pouvoir. Et pour obliger à faire des marches pour faire militaires étrangers venir fouler sur le pays d'Haïti. Ah, le connaissez. Ah, on sait. Continue. L'irresponsable de la part de ce ministre. Ce matin, je me tendais un discours de Ricard Pierre comme ministre de la planification. Écoutez, c'est une honte. Ils sont honte d'abord pour Ricard Pierre voulant se démarquer de la décision, savoir la justifier la décision. Non. D'après une déclaration que Ricard Pierre va faire matin, quand elle t'a dit, moi-même Ricard Pierre, mais ça me remettait sous table dans la discussion, malheureusement, il n'est pas passé. Ou pas capable de faire un discours qu'on y a là pour essayer de démarquer tes trous de l'autre ministre. Ça qui est là, madame, monsieur, l'anti-nationaliste, l'irresponsable de la part de ces dirigeants-là. On nous garde pour nous, madame, monsieur, on nous garde pour nous. Je dis à qui paye? Qui prend le sens des moteurs intervention militaire ça. Qui pays? Les États-Unis d'Amérique, le Canada. On garde ça, États-Unis, je dis à bah, pays. C'est Américain, oui, c'est États-Unis d'Amérique qui crase la mer en 1994. Oui. Avec la complicité de Jean-Baptiste Aristide. C'est les États-Unis d'Amérique, même les États-Unis d'Amérique, ça, qui mettait baron, qui mettait bâton dans où Jovenel Moïse, pour ne pas trop commencer avec la mer, pour ne pas reconduire la mer, madame, monsieur. Même les États-Unis d'Amérique, ça. C'est même les États-Unis d'Amérique, ça, madame, monsieur. Les Jovenel Moïse, qui nous fait comment ZAM, manche non pour la mer, c'est même les États-Unis d'Amérique, ça, qui peut quoi, pour dire que ZAM, ça ne veut pas faire la mer, c'est la police qui baillot. De qui ça en a parlé? Madame, monsieur, c'est même États-Unis d'Amérique, ça. Puis, il faut ensemble quand on est dans le pays, quand on est sorti, il est sorti États-Unis d'Amérique. Il ne faut pas faire aucun effort pour empêcher que les amis traversent la frontière de la Cali pour venir en Haïti. Correct. C'est même États-Unis d'Amérique, ça, madame, monsieur. Ou correct. Vous parlez. Ou correct. Où est le correct? Nous sommes correct. De qui ça parle? C'est même États-Unis d'Amérique, ça, madame, monsieur, qui mettait en bas aux âmes sur le pays d'Haïti. Et puis, je dis à ces États-Unis d'Amérique, que Haïti n'a pas de seul, c'est les États-Unis d'Amérique qui ont déjà capable de décider pour une force militaire dans le pays. C'est de l'hypocrisie. Alors, le Canada prend devant. Le Canada prend devant, je dis à madame, monsieur. Pour qui ça, depuis là, l'équipement a été commandé au Canada pour la police nationale d'Haïti. Le Canada n'a pas voulu venir dans le pays. Et puis on a les pichons devant maintenant pour voir donc intervention militaire dans le pays. Pour la voie militaire dans le pays. Papa, il s'est calé, je ne madame, monsieur. C'est Ariel Henry même qui te dit qu'elle est chez nous, madame, monsieur. Nous a dit que, faut nous dire au fond de nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre intervention militaire encore. On va dire que ça ne va pas faire avec la situation ZAMIO.
avant nous arriver sur question situation Zamio, comme vous pas d'accord, m'bon la parole. Et puis n'a tout. Moi pas d'accord. Ou pas en quitte là madame monsieur. Qu'on va ou pas poser une question, ça ne va faire avec gagner aujourd'hui là qui empêcher que manger entre dans capitale là. Pas un problème, n'a tourné sur lui. Et ça y en avance. Moi pas d'accord. Et leur dit que démarche anti-nationaliste, anti-patriote. Aussi simple que ça. Depuis combien d'années Haïti fait partie de l'ONU, Nations Unies. Pays partenaire Haïti, le gouvernement en place, il fait démarche, il fait demande auprès de ses partenaires haïtiens et étrangers pour venir porter coller par rapport avec le problème qui est là. Je ne veux pas me faire l'avocat du gouvernement. Même là pour aider la population à comprendre qui ça nous est là et qui ça nous fait. Mais tout, je ne vais pas peser sur l'accélérateur là sous base comme si moi pour une intervention militaire, moi pour que blanc vini avec gros amba ça. Mais non, ça nous est là peuple haïtien. Si c'est les Nations Unies que Haïti c'est membre qui pour venir là pour porter coller avec nous pour capable craser Bouddha gang yo, moi même mes amis, c'est ça, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, démarche gouvernement, dans la lettre que moi monsieur a écrit aux Nations Unies, m'a prend deux parties là-dedans pour nous comprendre, pour me faire nous comprendre exactement. Trouble. Ok. Pas bon l'autre. Ok. Mais t'as vu mon sous table là, oui? Ça, c'est ça, oui, Loukou. Ok. Une résolution adoptée par le Conseil des ministres m'a mandaté, ça c'est Dr. Ariel Henry qui a parlé. Solliciter et obtenir des partenaires internationaux d'Haïti un support effectif par le déploiement immédiat d'une force armée spécialisée en quantité suffisante pour stopper sur toute l'étendue du territoire la crise humanitaire causée entre autres par l'insécurité résultant des actions criminelles des gangs armés et de leurs commanditaires. 2. Parvenir rapidement à un climat sécuritaire devant permettre de lutter efficacement contre le choléra, de favoriser la reprise de la distribution du carburant et de l'eau potable à travers le pays, le fonctionnement des hôpitaux, le redémarrage des activités économiques, la libre circulation des personnes et des biens et la réouverture des classes. Sous deux points, ça y est, en la résolution, c'est ça des masses là. Maintenant, moi-même, selon j'aime comprendre, moi estimé. Vous comprenez que vous n'êtes pas anti-patriote, non? Non, pas anti-nationaliste, non? Vous pouvez montrer là, non? Non, ça c'est de l'hypocrisie, vous dire anti-patriote, anti-nationaliste. Vous n'êtes pas d'accord, oui? Vous pouvez montrer là? Oui, mais. Vous n'êtes pas anti-nationaliste, ça? Oui, mais je ne suis pas anti-nationaliste. Depuis ça, moi-même, là. Il n'y a pas grand anti-nationaliste, ça donne. Parce que Haïti fait partie des Nations Unies. C'est des partenaires internationaux que nous collaborons avec eux. Vous partez qui échappez où? Vous partez qui échappez où? Terminez pour continuer. Nous avons police, qui va le former? Et c'est bloc formule. Pas de problème. Qui va nous former? Caille blanc. Maintenant, hypocrisie. Comment démarche pour on démarche anti-nationaliste? Bon, démarche pas anti-nationaliste, okay. Dans la mesure où Haïti fait partie des Nations Unies. Fini. Et puis, quel problème là? Et sur Haïti fait partie des Nations Unies? Mais oui, plusieurs pays. Les pays ont des problèmes. C'est normal pour que l'autre pays rappelle le travail de l'OI. Ça me dit là. C'est parce que 40 ans, les Nations Unies, il y en a payé. Oui, depuis combien de temps, les Nations Unies ont payé? Écoutez, comment est-ce que ça? Alors, monsieur, mettez un débat pour comprendre. Il n'y a clair pas qu'il y a aucun moyen là pour aucune autorité aujourd'hui pour le capable de faire le pouvoir pour ça avec blanc la préfecture.
pour ça avec force militaire étrangère la préfecture qui pour venir fouler pour soldats haïtiens. Ça pas un bois. Ça pas la donne même. OK, là, qu'on y a là, OK, soit dit là. Et souvrez femme comprendre. Souvrez femme comprendre que c'est et docteur Henri Bezé qui met pouvoir. Mais ça ça lié. La café élection. Écoutez madame monsieur. Et ça et exemple ça, les cafés ne comprennent dynamique SDP. Si il y a un leader qui marque l'histoire politique dans le monde, c'est Thomas Sankara. Il s'est entré dans le gouvernement en septembre 1981, après un coup d'État en 1980, côté l'ITE qui fait appel à elle comme secrétaire d'État à la communication et de l'information. L'elle te constaté que le gouvernement ça te décidé interdit droit de grève, Thomas Sankara te démissionné pour la pour continuer à faire bataille peuple là. Bon exemple ça c'est pour me dire nous SDP pas jamais la guerre peuple haïtien. La continuer bataille avec elle ni dans bon moment ni dans mauvais moment. Peuple haïtien. Non Boukman. Non Toussaint. Non, non, Dessalines, Papa Nation, non, non, Christophe, non, non, Capois, non, non, Batraville, non, non, Chalmay Peralte, nous avons salué courage peuple haïtien dans un moment difficile. Ça. Je connais la traversée un moment extrêmement difficile. En bas, grand goût, la misère, inflation, insécurité, dollar cap mouté tête nègre. Gaz nous pas qu'à joindre. Nous pas qu'à joindre le travail. Côté, c'est la misère, capta et bandal. Inflation, je dis à la 35%. Olié, Ariel, avec acolyte, répondre avec question ça, je préfère demander l'occupation pour peuple haïtien. Pour l'autre fois encore, qu'on se réparait sur nous. En 2022, qu'on se réparait. Après 5 semaines, les mobilisations sans arrêter, sans camper. Le peuple haïtien a demandé un seul bagage. Nous l'avons vu. Pour le de souveraineté. Au lieu d'Ariel, rendez-vous à peuple pour démissionner. Il préférait demander l'occupation. Il était qu'à faire ça plus par exemple, faire une bonne négociation pour mettre un gouvernement bicéphale. Côté qu'un bon président ou premier ministre qui est capable de prendre ça. Il n'a pas fait ça, il préfère faire dilatoire, mesdames. Au lieu Ariel, descendre pour Gaza, il préfère augmenter sur biscuit de population. Au lieu Ariel, diriger avec tout le monde, il préfère diriger pour côté pour faire blanc content. Au lieu Ariel, prendre décision à partir des refus peuple qui peuvent payer Gaza, pour descendre Gaza, il préfère demander occupation. Au lieu Ariel démissionner, préféré demander occupation. Occupation ça, c'est 19 congés. Et moi je souhaite jeunesse pays. Moi je souhaite peuple haïtien prendre note et marquer avec lettre grâce 19 congés ça. Pour être capable de poursuivre de père en fils. Parce que ça y fait là, pas de monde qui doit faire sur des salines. Même des salines, si je dis à le réveiller, il n'y a pas de droit à demander occupation. Il n'y a pas de droit à ça. Et la Constitution nous interdit ça. Ariel, avec Acolyte, choisit une solution facile pour trahir le pays. Il demande occupation. Je dis, on a parlé avec l'international. On a demandé est-ce que c'est deux mondes qui viennent ou est-ce que c'est deux planètes qui viennent. Pour qui ça, international, ça, je dis, a interdit l'invasion en Ukraine. Il a supporté l'Ukraine, il a payé des milliards de dollars. Et qu'en Haïti, il a préparé pour faire invasion. Est-ce que c'est deux pays, est-ce que c'est deux mondes qui viennent? Est-ce que c'est pour seul monde? Ça veut dire, pour nous-mêmes, international, la première haïtienne, pour bailler. Ça va pas passer. Même gens, la Russie n'est pas d'accord qu'elle envahit l'Ukraine parce qu'elle parle d'accord ça. Parole, ça n'a pas qu'à parler. Dans le 21e siècle. Même gens, les États-Unis, la France, le Canada, la Chine, la Russie, ils disent non à l'invasion. C'est même gens, nous-mêmes, nous
dit non à l'invasion sur le territoire des Salines. Dans ce sens, nous voulons un message clair. Bah, il y a un membre du gouvernement qui parlait pour justifier pour qu'il s'en signe. Document traite ça, document la honte ça. Nabdil, peuple haïtien, vous mettez en face Jovenel. Jovenel, vous mettez haïtien en dedans blanc. Il a fait magouille en bas pour lui demander l'occupation, mais il n'y a pas de jambes qui a campé dans la fille du peuple pour lui demander l'occupation. Mais je dis à conseil ça, vous campez clairement en face du peuple pour lui demander l'occupation. Nabdil, si je dis au pouvoir, ou pas qu'à faire sécurité, ou pas qu'à faire monde pour payer taxes, place ou pas là. Il y a des gens qui sont capables de faire payer taxes, qui sont capables de faire sécurité, qui sont capables de permettre que les gens aillent à l'école, bah, place ça pour gérer. Ce n'est pas occupation pour demander. Et c'est dans ce sens nous-mêmes, nous avons dit, occupation ça, là, il y a un peuple haïtien en face. Et c'est pour raison ça, nous avons demandé la France, la Russie, la Chine, le Canada et un pile d'autres pays encore, nous avons demandé pour camper sur la question de l'occupation. La bataille contre l'occupation, je dis, c'est la jeunesse qui peut engager. C'est les jeunes garçons, les jeunes femmes qui sont dans la police pour engager la bataille contre l'occupation. Bataille pour nous mettre tête nous. C'est tout le monde qui nous met là-dedans. Et son bataille qui doit être faite sans âme. Sans âme. Parce que je dis à l'Occident, il était tout moyen en mille. Pas maintenant tête nous pour la bataille avec âme. Nous avons bataille avec cerveau nous. Et nous avons fait mobilisation côté peuple sorti par millions dans la rue pour dire non à l'occupation. Et c'est ça qui permet qu'il y ait autant de nous. Parce qu'il a cherché prétexte pour être capable de battre avec nous, détruire nous, disparaître nous. Et c'est dans ce sens que nous avons dit, tout jeune garçon, toute jeune femme sous territoire, et ça qui est dans le pays, pour prendre courage à demain, pour battre pour Gandhi, pour battre pour Martin Luther King, pour battre pour Mandela, pour battre pour tous ces ouvertures. Parce qu'il y a une possibilité pour nous battre avec eux et pour nous empêcher de faire occupation dans le pays. Si Canada remet la jambe, et c'est pour ça que ça n'a posé tête nos questions. Pour qui ça blanc, pour qui ça blanc, pas même de la mer, et je tiens à la porte pour nous la mer pour occuper nous. Pour qui ça blanc, pas même de la mer, et je tiens à la porte pour nous la mer pour occuper nous. Ça, nous pas d'accord. Et c'est dans ce sens, on a demandé tout le monde en un pays pour faire sacrifice. Tout le monde pour sacrifice. Parce que blanc, yo, avec Ariel, ils ont avancé trois bagailles pour faire occupation. Un, ils ont dit parce que nous-mêmes, acteurs politiques, nous ne pouvons pas entendre nous. Nous demandons à l'acteur politique pour entendre, pressé, pressé, semaine ça, pour bailler blanc réponse. Deux, nous disons que c'est par rapport avec choléra. Alors qu'elle connaît qu'une victime de choléra il y a 10 ans de ça. Ça a dit choléra éradiqué en deux pays. Ça fait que choléra aujourd'hui, nous ne connaissons pas. Et pour raison ça, nous demandons une enquête sur la question de choléra ça. Pour nous côté de sortir à choléra. Son choléra fabriqué. Comme prétexte. Nous faisons face à la choléra déjà. Nous avons expertise dans la question ça. Nous avons toujours demandé concours avec l'organisation internationale. Mais la choléra n'a pas justifié l'occupation de la pays. Troisième l'autre bagaille, yo dit c'est pour problème gaz terminal varé qui bloqué. N'a dit international là. Je dis, Haïti a fait face avec la question ça. Il y a plus de 4 mois de cela, problème gaz. Parce qu'Ariel a décidé de monter gaz là. Il y a un premier geste pour l'État fait aujourd'hui, c'est la descente de Gaza. Et comme le peuple a dit que Ariel descend Gaza, $1 ou bien 50 cop, ou bien 1 goutte, il y a continué de demander des balles. Ça veut dire aujourd'hui, pas qu'il y ait un seul terminal en un pays. C'est vrai, il faut que le peuple a joué un gaz à même prix. Mais il y a l'autre terminal, ça va servir prétexte pour faire des battements dans le pays. Des terminal tort. Et avant, il y a un débat au Cap. Ça veut dire aujourd'hui, il y a un prétexte, le terminal va arrêter pour débarquer dans le pays. Nous disons non, ça va passer. Nous avons l'esprit, nous avons les yeux. Les autres disent qu'il y a les jeunes, mais c'est qu'il y a les jeunes pour nous défendre. Ce n'est pas pour nous qu'il y a les jeunes pour nous passer. Et c'est dans le bas de ça, nous disons, aujourd'hui, sous le bas de ça, question d'occupation, il n'y a jamais de côté en rien. Je dis même au gouvernement, les occupations, ce n'est pas justice qui vient de faire. C'est crime qui vient de faire. C'est choléra qui vient de faire.
En 1915, je débarque dans le pays, c'est Banque Centrale qui a été en période coloniale, en 1492, les nègres qui ont débarqué dans le pays, c'est l'or qui est venu ramasser. C'est toute richesse qui est venue ramasser. En 1994, il y a une pile de gros machines. Bascule qui t'a charrié de bagailles en deux pays, en bas de sac là-dedans. C'était richesse tout négo t'as exploité. Yo ba nous choléra, mec sous nous. En 2004, yo fait même bagaille là. Yo ba jeune ba bon résultat. Et jodi a kote n'a parlé la Guinée qui là. Mande sa bini règle en deux pays, y'a personne qui m'a. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire tout résultat ça yo. C'est échec pour faire haïtien, mais c'est réussite pour international. C'est peut-être ça nous dit non avec question ça. Et c'est dans ce sens qu'on a dit, peuple haïtien a précommandé avec tout le monde en général. Ça nous va le dire là. Vous demandez la presse, vous demandez pays, attendez ça nous va le dire. Non, non, peuple haïtien, nous demandons pour jeunesse la responsabilité. Avec jeunes qui sont dans la police. Deuxièmement, nous demandons pour nous organiser des départ Ariel PCPC et remplacer dans l'immédiat. Troisièmement, nous demandons un dialogue sur sécurité, une façon pour tout le monde participer là-dedans, pour tout petit pays haïtien, en dehors coup de participer dans un dialogue ça pour permettre que la sécurité retourne dans tout côté en dehors pays dans le quartier populaire. Moi, je crois que nous sommes capables l'une avec l'autre pour mettre la sécurité dans le pays. Quatrième, nous demandons pour bailler la police tout matériel du commandé. C'est inacceptable aujourd'hui. Pour la police commander des matériels, au lieu de bailler le matériel là, il y a offrir l'occupation. Alors que l'occupation a coûté plus comme n'importe 10 fois comme commande matériel. Nous demandons international là, s'il y a des volontés, tout le monde veut prêter. Gouvernement canadien de bloquer l'argent. Faut bloquer matériel. Il faut que les bails matériels. Et deuxièmement, c'est l'appui technique que la police a besoin. La police a besoin de bonnes formations. Et d'ailleurs, il y a des gens qui sont formés déjà, qui vous prennent formation. Et la police a plein son message pour nous. Les jeunes qui sont dans la police. Je dis à Ariel, ils sont irritants. Jeunes, vous avez vos bobos qui là. Jeune Batraville qui l'a. Jeune Chalmaï Perel qui l'a. Jeune tout le monde conséquent. Pendant que nous mettons de côté conseillers, prenons responsabilité nous. Si c'est Ariel qui handicap, il faut que la police a contribué pour le peuple la sécurité pour manifester et pour Ariel réponse.